D'Haïti. Là, toujours dans sa queue avec réaction sur question insécurité à la plateforme nationale secteur population qui exmettait chargé au gain devant vitesse insécurité à notre pays. Dieu donné l'élection critique et communauté internationale qui, d'après lui-même, pas de volonté pour aider un pays à résoudre le problème. Ça, de renforcer la police acclamée. Président Plan SPA, tu profites dans ses appels là-bas et tout secteur de la vie nationale pour pas regarder sous blanc, mais mettez tête ensemble pour jouer une solution définitive à la crise la cap. Tout résoudre le problème insécurité, grand goût misère. La trier d'après Dieu donné l'élection de côté déclaration. N'a pas rappelé pour peuple haïtien. En plus, l'acteur politique qui pas comprendre ça a eu comme mission, qui dit ce Jovenel Moïse qui est responsable de kidnapping dans le pays. Il a assassiné Jovenel Moïse jusqu'à ce que il a assassiné physiquement. Il y a même acteur politique qui te dit depuis Jovenel Moïse fin quitté pouvoir, eh bien, Haïti a tourné Manhattan. Jodia, nous pas tant d'acteurs ça y a parlé la calamité peuple là à traverser là si marchand yo prend la rue prend marché public comme prison yo professionnel yo chaque fois yo sorti yo pas comme si y a rentré et pas aucun monde qui capable exact de situation ça Jovenel Moïse fin assassiné monde qui gagne remote control kidnapping là monde qui gagne remote control insécurité là yo monte volume insécurité kidnapping Jean Yovle yo descend volume là Jean Yovle peuple haïtien faut qu'on calenger pour comprendre ça veut dire Jovenel Moïse mouri assassiné torturé parce que il t'a défendre cause peuple là. Et nous avons pile préoccupation pour justice pour Jovenel Moïse par rapport à sa carte dessinée là. Nous-mêmes, dans la partie de la nous dit, conviction nous fait, si la communauté internationale te une volonté pour accompagner le peuple haïtien, tant que tout a yaptil sous papier, problème insécurité, problème kidnapping, ça va résoudre. Si la communauté internationale là, en particulier les États-Unis d'Amérique, si yo te gen volonté, yo t'ap accompagné, yo t'ap renforcé police nationale là pour te agir sous problème insécurité. Voilà déclaration Dieudonné Lérisson, coordonnateur général organisation sociopolitique Vive Haïti à Biron Odigé, critiqué dirigeant dans l'État ensemble avec acteurs politiques qui ont dit que jusqu'à présent pour joindre une solution face avec crise pays qu'on est dernier jour ça yo mais l'État politique là bail leader ça yo semaine ça sinon pour capable joindre une solution sinon dans l'autre jour qui a venir là yo Biron Odigé fait qu'on est Vive Haïti a mettre toute bah toute donner au dehors Biron Odigé continue dénoncer ingérence à communauté internationale là dans affaires politiques pays. En côté et Biron Odigé dans micro Radio Mega. Depuis 7 juillet 2021, jodi jusqu'à nous je côté n'a parlé à la classe politique là. Société civile là pour projet 40 ans pour nous stabiliser pouvoir et pour nous avoir réponse avec phénomène de sécurité qu'a parlé derrière. Après toute analyse, Vive Haïti fin fait. Après tout constat que parti politique Vive Haïti fin fait, après tout dialogue Vive Haïti fin fait, soit avec des leaders politiques, soit avec monde au niveau de la société civile, des organisations, mais finalement, nous venons découvrir, quel que soit le groupe qui gagne, proposition, accord en main, il n'y a pas de solution crise. Qui était Montana? Ou du moins, les accords criminels Gofal Ariel. Chaque monde, groupe, yo, après aller de là, vient sous Koyo pour qu'il y ait pouvoir pour yo. L'on parle de questions pour accord yo ta mettre ensemble. Pour une solution finale avec Rizan, tout le monde qui a fait sous point par yo, yo du pas de monde qui a fait au mélanger accord. Un, Ariel déjà lui-même la bien dans la corruption, comme continuité. Troisième version pouvoir PHTK et surtout Ariel vient joindre en branche dans l'opposition qui accompagne dans en dans pouvoir là. Ariel doit pas un monde qui mélangé pour un accord par là. Donc accord en septembre criminel Gofalia il était intact. Ou vient prendre Montana. Montana par le fait que blanc a félicité Montana chaque jour. Pour le dire, c'est meilleur accord, c'est plus bon accord qui a existé. Mais tête de Montana, il y a eu un gros mal passé, ça ne va pas. Cependant,
même yo même nan encore à critiquer blanc on boit blanc dit à quoi à boire depuis blanc dit à quoi yo assez lit bon donc yo pas gain nan mélanger avec personne. Vive Haïti dénoncé M. André Michel ak ancien sénateur Edmond Supplice Bozil li dit ki gen gros l'argent dans meilleure analité pour négocier avec communauté diaspora yon manière pour voyer représentant une formation conseil électoral provisoire. Porte-parole Vive Haïti a mandé diaspora pour pas rentrer dans démarche chef gouvernement Tamea pendant le fait qu'on est l'argent équipe place à acte politique ça a été investi dans acheter un train pour malade qui gen gros difficulté pour prendre soin dans l'hôpital l'état yo. Un côté Ronnie Timothée, Namiko Peterson Blaise. Par rapport avec Ariel, eh bien, nous connaissons qu'il a utilisé l'argent de l'État pour acheter leader politique pour aller faire des choses qui ne sont pas même bon pour le pays. Mais avant de ça, permettez-moi de féliciter tout secteur Ariel écrit pour demander aux trois représentants dans le conseil électoral et grand pile monde qui décline qui dit non. L'un connaît qui qualité moyen qui gagne dans le conseil électoral là. Qui qualité, eh bien, et ça n'est pas joué pour faire tête au plaisir. Mais nous connaissons la situation pays, la situation économique tellement précaire, où il y a des gens qui acceptent de dire non. Donc, son gros bagaille, les gens qui ont dit non, nous battons gros bravo pour eux. Mais par contre, il y a un leader qui fait partie de l'opposition. Ariel Chita, ensemble avec eux. Il y a trois là-dedans, mais nous jouons nos deux toujours, et ceci n'a pas le peuple à lui. Dans trois leaders, ça, Ariel dégage le coup, M. Jean-Jacques. Pour joindre un visa américain pour moun sa yo. Et l'idée que c'est près de 20 à 30 000 dollars américains comme l'argent poche pour traverser les États-Unis et bien pour y aller corrompre diaspora ou bien pour y aller convaincre diaspora pour y capable voyer représentant dans le nouveau conseil électoral qui va le faire là. Et deux moun sa yo nous joindre nous. Qui est-ce yo? Premier moun nan, c'est madame Edmond Sibis Bozil qui gagne 20 à 30 000 dollars américains dans même pour la convaincre diaspora pour vous représentant dans le conseil électoral Ariel. Deuxième monde, c'est Maître André Michel qui gagne également 20 à 30 000 dollars américains dans même tout pour traverser les États-Unis pour la convaincre diaspora pour vous représentant. Ça veut dire qui ça? L'agence AEO, je te qu'à investir dans l'école, je te qu'à investir dans l'hôpital, je te qu'à investir dans l'école professionnelle. Il était capable de permettre tout la police a des moyens pour fonctionner. Il était capable de permettre tout, eh bien, employer l'État à jouer une augmentation. Bon, bonne bagaille l'agence a été fait, mais non, il n'a pas fait comme ça. Je préfère plutôt décaisser l'argent l'État. Et d'ailleurs, tout le monde connaît qu'est-ce l'État, il s'en si pauvre. C'est dans la réserve stratégique économique payant. Nous avons pris quoi? Pour enrichir les leaders uniquement, eh bien, pour y aller convaincre les gens pour voir les gens dans le conseil électoral. Je finis pour me dire, papa, ici. Le cachou pour baigner là, si nous ne pas lever campé, pour nous courir derrière les gens, pour nous courir derrière les malandres, nous faisons carrer dans le grand bout, nous faisons carrer dans la misère, nous faisons carrer dans l'insécurité, nous faisons carrer dans la vie chère, nous faisons carrer kidnapper les gens pour nous. Voilà, déclaration Ronnie Timothée, n'a toujours été avec porte-parole Vive Haïti à côté. Ronnie Timothée lui-même continue à camper des déclarations, ça pour faire connaître que PM Ariel Henry te bay gros l'argent est débloqué, gros l'argent pour bay avec groupe armé en bas, si G9 en famille avec allié pour te permettre que il est capable à déposer sa année légère flet dans mémoire Papa Nation, Jacques Dessalines dimanche 17 octobre, qui était marqué 215 l'année commémoration assassinat en Péréan, zone Pont-Rouge, militaire politique n'a dénoncé tout 14 millions de gouttes fait qu'on est pour PM Ariel Henry te décaisser toujours une façon pour être capable construire stand dans marchand des salines pour être capable organiser cérémonie officielle dans zone ça on est monté qualifié corruption à gaspillage l'agence ça il dit qu'il t'a utile dans répondre avec quelques besoins population haïtienne en écouter on est monté toujours dans micro Radio Mega la première fois dimanche 17 octobre toute l'agence ça a décaissé et pour qui résultat en rien. Alors que tout le monde rappelait le 17 octobre, depuis la date de sa arrivée, c'est toujours une opposition dans la rue qui prend position pour le peuple, qui défend le peuple, qui défend le pays. Malheureusement, le 17 octobre, ça, nous parlons au contraire, c'est balle qui a chanté plusieurs côtés. Il y a un bilan qui était extrêmement grave. L'engagé connaît, nous apprenons Ariel Henry voyait 37 millions de gouttes pour les bandits, alors que les bandits ont reçu seulement 20 millions de gouttes et à partir de là, ils ont commencé à péter coquin, ils ont dit Ariel, pas capable de mettre pied le pont rouge. Deuxième bagarre là, gagner 25 millions de gouttes
Ariel décaissé pour directeur général de la police, nous voulons parler de Léon Charles, et qui était arrivé en bas, c'est pété couru. D'ailleurs, il va t'en mesure pour te répondre à la réponse bandit ta baille en bas. Et tout, tu as gagné 14 millions de goudes qui dépensaient pour te seulement construire un stand. Marchand de saline, pas grand rien encore qui fait. Et finalement, je n'ai pas même besoin de parler de quoi Ariel voye by leader politique pour tout le monde te fait silence pour ne pas parler de ça qui passé le 7 octobre en bas. Bon. L'autre information dans le journal, le groupe d'appui pour démocratie encourage le premier ministre Ariel Henry pour mettre en application l'accord 11 septembre. Na pressé, coordonnateur général, groupe d'appui pour démocratie encourage PM Ariel pour révoquer membre gouvernement qui l'a eu puis révoquer DGAIPNH là. Léon Charles, l'a dit qu'il n'y a pas de pays à bon genre sécurité. En côté Asnel Alexandre, Namiko Alix Gauthier. Avant 7 février, nous avons eu le temps annoncé, les messieurs ont choisi de mettre les scènes, moi te dis que vous mettez la vie tout peuple haïtien en danger. Voilà que je dis, même si nous ne pouvons pas reconnaître ça pour nous bombes de plume, non, la vie toute société en danger, parce que je venais le dire, et pas les problèmes. Et là, il y a des gens tout, et c'est les gens qui quitté. Voilà que je dis, les choses viennent plus empirer. C'est ça que fait, maintenant, je viens parler avec Ariel Henry. Pour me dire Ariel Henry, ce n'est pas ni affaire clinique qui vient là. Ce n'est pas ni affaire opération, c'est dans la politique. Depuis que vous avez assassiné Jovenel, vous êtes d'accord pour le poste premier ministre là, il faut te connaître dans la guerre, vous avez. Mais quand vous êtes en taille, vous n'avez pas résultat. Nous sommes venus dire Ariel, comme il dit, je vais encore avec un paquet de partis politiques et organisations de société civile. Moi, je vais demander matin pour l'appliquer à col. Il va gagner tant de vannes. Il va gagner l'air. Et c'est non, fais-moi ça. Pour l'appliquer à col là, pour nous voir quel type de personnage, quel type de monde qui nous gouverne. Pour que le pays a l'aller en souffle. Tout d'abord, nous demandons, monsieur, pour que vous voyez tout cabinet ministériel ça qui l'a allé. Il n'est pas capable. Il y a un ministre de sécurité. Deux, pour révoquer Léon Charles, notre tête police là, il n'est pas capable, mes amis. Gagnon ces députés à de bien-aimés qui va cacher un dia sur le face à phénomène d'insécurité ça pour un parlementaire c'est complicité autorité on a l'état qui la cause situation ça arrivé dans niveau ça si autorité on a l'état pas qu'à assumer responsabilité pour dire bien pas qu'à pas prendre responsabilité c'est pour yo démissionner d'après ancien parlementaire en côté à de bien-aimés et yo quitter l'empire li a piré autorité yo participer dans nourri yo ba OTT parfois ba l'argent parfois négocier avec yo parfois fédérer yo et moi t'ai allé plus loin Blaise moi dit tout autant gain élection frauduleuse tout autant gain élection exam tout autant gain nèg cap paye bandisam pour écraser bureau pour plein boîte dans sa compète non paquet de côté dans le pays a gens monde qui candidat pour député monde qui candidat pour sénateur monde qui candidat pour magistrat à budget fait dans toute élection contre bateau de 2015 à aujourd'hui a situation ça par jamais tout autant gagné de monde qui sont dans la société civile là ça le représenter pays a en dans CEP ça prend l'argent dans mes députés pour faire passer dans mes sénateurs pour faire passer dans mes magistrats pour faire passer dans mes cadres pour faire passer dans mes présidents pour faire passer nous pouvons que nous pas jamais sortir dans sa nuit là c'est ça que fait aujourd'hui ya ça crise dimanche là nous mêmes nous dit situation fin pour y mettre et nous devons dire halte là qu'on a nous pas qu'à dire halte là encore et équipe bandit au grand place l'état aujourd'hui ya yo prend place rôle monde qui est doué à confier rôle yo bon ou yon au juge la gueule les arrêts mon exam ou yon bon autorité soit député ou bien sénateur ou bien magistrat qui dit libérer. Nous avons toujours été avec la déclaration de ces députés à Odo bien-aimé, quand il fait qu'on ait élection pas possible dans le pays à cause de la situation de sécurité. D'après ça, ancien député a lui-même l'a dit, pour ça possible, il faut qu'il y ait sécurité qui établit dans le pays. Sans côté stabilité, à Odo bien-aimé, lui-même qui est continué à plaider pour, en faveur pour dire que pour tout accord capable de faire, accord Montana, accord Pen, accord en septembre, et pour permettre que jeudi à pays lui-même capable de râler en souffle, et puis lui encore exiger démission, Premier ministre Ariel Henry. Pour capable faire place à un autre gouvernement qui est capable d'après ancien parlementaire qui c'est Aoudon bien-aimé.
L'autre dossier dans le journal, la ministère des Travaux publics et Transport et Communication a annoncé hier mardi un projet de construction de pont provisoire sous rivière Grand Anse. C'est Banque mondiale qui a financé le projet ça pour une valeur plus passer 3 millions de dollars américains d'après le ministère des Travaux publics Wilson Edward qui fait qu'on un pont ça a pas exécuté sous une durée entre 3 et 6 mois. Le ministère a tout profité annoncer divers autres projets qui ont pour exécuter dans le Grand Sud pays qui a coûté 30 millions de dollars américains parmi les projets sérieux reconstruction divers l'autre pont, réparation route qui endommagé, aménagement espace public pour une cité ça seulement. Wilson Edward et Namiko José Belamou. Fom di moun Jérémy yo, pont ça que m'si un contrat avec aujourd'hui, c'est un pont provisoire, son petit bagay petit qu'il y a. Mais gros pont, c'est la bid qui a financé. Donc étude yo terminé, qu'on a pas lancé appel d'offres pour construire un nouveau pont. On pont en béton armé, la bien partie pré-contrainte là-dedans, tout qui parle sous Grand Anse. Son joli pont qui l'a bien. Durée à son bail, tu as compris entre 3 mois à 6 mois. Mais à partir de 3 mois, j'ai l'impression que ça a l'air bien fait. Couvrage là, c'est 3 millions de dollars, 16 142 dollars américains. Donc disons environ 3 millions de dollars. Banque mondiale prend engagement pour accompagner nous après tremblement de terre là, pour permettre rétablissement. Connexion entre les localités qui étaient touchées par ces séismes, réparation des ouvrages d'art endommagés, ouvrages d'art, c'est les ponts et les murs de soutènement, la stabilisation des talus, nous avons tout gros monde qui est éboulé, donc jusqu'à présent, nous permettre passage là, mais avec financement Banque mondiale, nous pas stabiliser talus. Nous avons un port dans la zone sud là qui endommagé. Nous avons port de Jérémy qui était déjà endommagé déjà, mais avec tremblement de terre là, dommage vient accentuer. Donc Banque mondiale a permis nous réparer port de cabotage ça qui est dans le Grand Sud là. Voilà, moment arrivé pour nous capable à l'écouter comment diverses villes, provinces, levées pour matin, dans le cadre de la rubrique Monde Provinciaux. Nous prenons notre petite rivière, la Tibonite, avec un collaborateur, non, Désir Vénès. Désir Vénès, qui est déjà en ligne avec nous, avec l'INAPDI. Bonjour. Bonjour, Désir Vénès. Bon, la journée, comment ça est? Bonjour, Blaise. Bonjour, Jean-Vénès Sévère. Bonjour à Marcel Dedef. Bonjour à tout auditeur qui branche dans le cadre de la Dino Latère. C'est un grand plaisir pour informer sur ce qui est comme information dans la rivière la Tibonite. Nous informer l'ensemble d'activités à fonctionner dans la rivière la Tibonite, même que c'est au ralenti, surtout avec question gaz qui passe suspend et bail problème. Niveau pompe gaz, toujours à 2300 gouttes ou 500 gouttes en bas pompe, qui permettent que tout fait taxi à chauffer machine. Boudé Koukong et mandé avec ou chez l'État pour penser avec situation gazan, ça permet d'évacuer avec activité yo et vous passer avec en l'autre phase dans différents mouvements qui chauffent taxi yo te gagné pour question gaz là pour ça c'est dans la rue pour crever d'homme à cette violence en bas comme gaz yo. Sur question insécurité, c'est toujours même cas si violent parce que la police qui dans commune utilisait la Tibonite a toujours été passif, je pourrais que pas gain rien que ça fait comme intervention. Ça lui permet que la population a demandé avec nous chez l'État central penser à cette situation malgré le Premier ministre Ariel Henry qui est passé dans la zone nord, 30 septembre qui est passé. Il y a une promesse qui est faite pour permettre que la sécurité retourne à Haïti, à la Tibonite, comme j'en étais avant. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est beaucoup fait d'un bon côté. Syndicat qui réduit à cette plante. Yo demandé avec le ministre agriculture pour penser avec encadrement pour ODVA, surtout pour le côté brésilien là, pour ne pas perdre le parce que le président a parti pour une zone à cause de beaucoup de gens qui ont tiré et puis pour premier, il a retourné la caille, il a besoin de replanter la terre. Désir Vénès, c'était que ta pierre ou tu verras si bonite radio Mega. Merci Désir Vénès qui t'a dit nous qui j'en sais un petit rivière.